triplette là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai la triplette. Donc il y a Sylvain Chey à la 6ème place avec 874 points. Bravo. Voilà, là c'est le vice-président. C'est celui qui remplace quand j'ai bu quelque chose dont je ne connais pas l'origine. Jamais. Ensuite, Colin Villemagne. Également un des jeunes. Malheureusement, les jeunes qui montent très vite, très haut, et puis un jour, on ne les voit plus, parce qu'en France, il n'y a plus moyen de les employer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, au vieux de la vieille, Thierry Jeannot. Voilà, celui qui inlassablement nous remonte la remonte, nous installe, qui est installé, c'est le logisticien de l'équipe. Et le trésorier en même temps, voilà. Merci Thierry. Alors là, on arrive au podium des trois axes. Dur. Stéphane Mangin avec 940 points à la troisième place. Bravo. À la seconde place, l'un des mousquetaires de Feuillant, Jérôme Matré, avec 942 points. Je signale quand même que Jérôme Matré, dans sa longue histoire modéliste, a été champion de France en voltige F3A il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il avait à peu près 16-17 ans. Voilà. Bravo. Et à la première place, nous retrouvons Jean-Michel Yves avec 946 points. Alors, on demande Jean-Michel d'afficher ça dans le club, dans le local. Voilà. Alors, la coupe. Ils l'ont mis en trois axes. Ils ont pas classé Julien ? Bah non, il manque Julien. De toute façon, ils ont mis trois places, il restait moi. La grande bouteille. Filme un peu. La bonne terre. Là, je suis stressé, là, parce que Julien. Un cerveau offert par Découverte Monilis, le seul détaillant qui a bien voulu nous remettre des lots, détaillant de Mâcon, le seul de Saône-et-Loire. Je vais lui donner, je viens de la cour. Une valise multiplex et un t-shirt. Voilà. Non, qui se débrouille, il a voulu gagner, qui se débrouille. Il a voulu gagner, c'est vrai, t'as raison. Quelque part, t'as raison. Jamais ça tient tout dollar. Oui, il a un petit doigt. Oui. Oh, elle est mignonne. J'ai vu tout de suite qu'elle disait. Ah, ça lui a fait une sorte. Il reste trois, il reste Yves, moi et Julien. Voilà. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions. La famille Yves, je fais partie des inconditionnels de ce vol de pente. Ah, c'est mignonne, c'est vraiment mignonne. Nous avons participé à sa renommée. Car ce sont des excellents modélistes qu'on retrouve, j'en atteste, sur des publications internet ou autres, bien au-delà des frontières de notre grand hexagone. Hein, faut bien le dire. Ça, je tiens quand même à signaler. S'il y a des modélistes qui participent à faire valoir le modélisme français, Jean-Michel et son papa en font partie. On ne parle ne serait-ce par exemple qu'avec leur vol électrique. Voilà, ceci étant dit, on va prendre la catégorie grande plume. Alors, à la deuxième place, c'est André Yvet. Il a participé avec un grand planeur de 3,60 m. Mais on a classé en trois actes parce qu'en fait, il était en 3,60 m, mais il n'avait que deux commandes. Hein. Hein ? De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Les points, voilà. Les points, 764. Oh, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, André. Tu nous habitues à mieux, oui. Alors, qui s'est caché un peu mieux ? Ou il a fait même beaucoup mieux, il a fait 914 points. C'est le président du Modèle Club du Val-de-Saône, en la personne de Jean-Philippe Coste. Voilà. C'est moi qui t'ai fait relever les points. On voulait voir un point des points. Merde. 914. La coupe, la bouteille, la botte d'air et le t-shirt.
Et le premier, c'est son acolyte, Juju, Julien, Benoît, pour les intimes, avec 940 points, il y a un gros écart, hein. 940, 974. Qui est l'un des responsables également de ce club très dynamique. La grande coupe, le magnum, un cerveau, offert toujours par Découverte Modélis, une boîte d'air, un t-shirt offert par Lidinger, vous vous rendez compte, ça vient d'Autriche. Hein, il aurait pu peut-être l'an prochain, il aura peut-être un short en pot de cerf. Et puis. Et une valise d'émetteurs multiplex. Voilà. Alors, encore un instant, donc je me dois de vous rappeler l'ensemble des donateurs donc, pour ces rencontres. Donc, en matériel de modélisme, je les ai déjà cités. On va le plus loin, c'est Lidinger en Autriche, un peu moins loin, 1600 en Allemagne, et tout près, tout près, tout près de nous, un master, magasin Découverte Modélis, c'est celui qui a fait la meilleure dotation, ça je tiens quand même à le signaler. On avait quand même envoyé 26 courriers. Ça se vend ça? Et on va en suivre, mais je les citerai plus, parce que j'en ai plus envie de les citer. T'aimes les coupes? Au grand distributeur, de la même manière. Parce qu'elle va m'encombrer. Néanmoins, à côté de cela, il y a eu le conseil général, la mairie de Mâcon, la mairie de Charnay, qu'est-ce qu'il y a eu encore, la direction départementale de la jeunesse et des sports. Alors bien sûr, les deux grands partenaires sans qui nous n'aurions pas pu faire hier soir ce magnifique machon, et aujourd'hui, comme les deux autres concours, pouvoir donner à chacun une bouteille, c'est donc les vignerons des terres secrètes de la cave, des caves de Pissé, Verzé, Solony. Voilà, donc nous avons deux partenaires qui fonctionnent avec une convention dans l'Éric de l'Art signée avec la Maison des Jeunes de l'Héritant. Et puis c'est tout, donc sur la Maison des Jeunes de l'Héritant. Et puis bien sûr l'ensemble des bénévoles que nous remercions encore pour avoir suivi pour nous pendant ces 4 jours et bien avant, puisqu'il a fallu préparer tout cela, vous en doutez, que des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense à une administratrice de la Maison des Jeunes, une animatrice qui nous aide énormément pour tout ce qui est courrier et demande de subventions et autres. De toute façon, c'est un peu difficile, mais enfin, on espère toujours. Voilà, on l'a vu au pot de Pissé, c'est Emmanuel, je tiens quand même à la remercier encore. Et puis bien sûr, Jean-Marc Dumas qui dirige toute cette équipe, le directeur, et le président qui n'a pas pu être là aujourd'hui, que je représente en tant qu'administrateur de la MJC, Éric Binet. Voilà, c'est une association de 2000 adhérents quand même. Hein. Nous ne sommes que 62. On est l'un des 12 clubs. Et puis il y a 72 activités. Voilà, donc c'est la machine qui fait marcher cette 39e rencontre de VDP. Et on vous souhaite donc de finir une bonne journée sur notre terrain. Et on vous enlève, bien sûr, au 40e. Donc le prochain 40e, alors je ne sais pas la date encore, 40e édition de la rencontre Vol de Pente. J'espère que la météo sera de nous, parmi nous, hein, qu'elle sera la plus favorable et qu'on puisse faire une 40e digne de ce nom. Voilà, encore merci à tous d'être venus et encore bon vol jusqu'à la fin de la soirée. Pour ceux qui rentrent loin, à la fois soyez prudents et rentrez sagement. Merci, à bientôt, au revoir.